Oh, j'ai entendu les tirs, mais... C'était quoi? Les Lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Ouais, je te suis. Par ici. Ah mais enfin, c'était... il fallait appuyer sur le truc pour la lampe, en fait. Allez, dépêche-toi. Mais oui. Cachant ou aidant des criminels recherchés. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité suspecte immédiatement. Où est-ce qu'on va? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Donne-moi une minute. Quoi entre toi et Marlène, au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école... Tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. J'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y.
ça bizarre qu'il nous confie cette mission. Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Allez. Qui nous attend au point de rendez-vous? Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques jours. Ellie, une fois sortie, tu seras tout ce qu'on et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Non, de vérifier que la porte est libre. Bougez pas, il y a une patrouille un peu proche. Ok, c'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. Je crois pas. Je suis vraiment dehors. Fuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour trois vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée! Oh, merde! Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. C'est une blague, je vais en dire. Regarde. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours. Alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Putain! J'ai 2 soldats morts. Suivez-moi. Vite. Ah.
Ok. Quand je te donne le signal, on court. Signal? Oui. Allez, allez! Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi. Attention, maquillez-moi. Thank you.
Déployez-vous! Ouais, ça doit être ça. T'éloigne pas. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Ça donne quoi? Je crois qu'on peut passer par là. Escouade Charlie au rapport. Merde, merde. Encore des soldats. Cible tout en fuite, tête. Arrêtez les RTR et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Merci. Tout à vos véhicules. Restez dans l'ombre. J'ai plus de bol, merde. Ok. On est en sécurité? Non. Ils sont encore dans le coin. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles ici. Compris, chef. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. T'éloigne pas, Alan. Ok. Oh, 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 attendez, attendez. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici? Et si c'était vrai? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Oh.
à ça que les immeubles ressemblent de près. C'est immense. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont largué un maximum de bombes autour des zones de quarantaine. Essayé de tuer le plus d'un petit. Ça a marché. Pendant un temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Test, t'entends ça? Ouais. Mais ça me les a tout. On est en sécurité? Pour l'instant. Allez. Bon, voilà le capitaine. Ouais, on va devoir faire le tour. C'est le centre-ville, ça? Voilà. Ouais. C'est plus qu'un vaste terrain vague. Par ici. Hey, Tess! Il s'est fait massacrer. Ouais. Le corps est encore chaud. Ouais, peut-être bien. Mais non, pas ici. Sont morts en attendant les renforts. Mais merde, un claqueur. Merde. C'est arrivé à son visage. Ça donne pas des indications. Mais alors ils sont aveugles. Si on veut, ils se repèrent au son. Comme les chauves-souris. Comme les chauves-souris. Le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Attention à la tête.
Donne-moi un coup de main. C'était tendu. Allez, foutons le camp d'ici. Oh, bon sang. Bon, regarde s'il y a un moyen de passer. La voie est libre. Allez, Amy. Ok, à ton tour. Allez. C'est ça. Ok. Allez. Ok. Ok. Des claqueurs? Oh merde! Go, go, go! S'en débarrasser. Juste une minute. Et voilà, mesdames. Ok. Allez. L'escalier est bloqué. On fait quoi? On remonte? Sérieux ?
Allez, Ellie. Des coureurs. Je vais aller voir. Reste avec la fille.